formation particulière sur les chimpanzés. Non. Aucune. Tu n'as pas étudié le masculin et le féminin chez les chimpanzés? Non. Pour revenir sur la problématique du zoo, donc, qui était notre point de départ. Du zoo, oui. Et que vous pouvez parler, par exemple, de la prison. De la prison? Oui, la prison dans le cinéma. La prison dans le cinéma. Déjà, est-ce que tu as l'impression, comme ça, si on te demande dans la rue, est-ce que tu as l'impression d'avoir vu beaucoup de films avec des personnages transgenres en prison? Honnêtement, non. Est-ce que tu as vu des films qui parlaient d'une prison où il y a des personnages ambigus? Eh bien, il y a effectivement des films où il y a des caractères, ouais, ambigus, mais pas explicitement transgenre. Non, oui. Pas explicitement, mais je veux dire, ma question serait, est-ce que tu as déjà vu un film sur une prison ou des prisonniers où il n'y a pas de personnage sexuellement ambigu? Il n'y en a pas du tout, non. Ouais. Non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que des personnages transgenres dans les films en prison, il y en a, mais ils ne sont pas désignés comme tels. C'est le personnage transgenre de prison, c'est-à-dire la folle qui est plutôt contente d'être là. Oui. Voilà. Et alors, ça soulève plein de problèmes divers et variés. Turns out in Zambia, being gay is illegal. If you are found to be gay, you will be arrested and sent to prison for more than 30 years. Yeah. Which is a bit of a weird punishment. When you think about it. I mean, I'm not saying gay guys would enjoy prison. I'm just saying, if I was gay, that's not the worst thing you could do to me. You'd be like, you're going to jail. I'd be like, oh no. Il y a déjà un film, La brutalisation de Franz Blue. Oui, qui n'est pas très connu en France, ça, je peux te le dire. De 1970. Ouais. C'est un, oui. Oh, le mot transgenre existait déjà. Depuis 6 ans. Oui. Je ne crois pas qu'il était très répandu. Le mot transgenre existait déjà. Et depuis un an, on a en Allemagne le paragraphe 175 qui pénalisait des actes homosexuels n'était plus en vigueur. Wir haben ein Treffen mit Helmut Koch, 85 Jahre alt, ein bekanntes Gesicht in der Bremer Schwulenszene. Sein Leben ist auch ein Leben mit dem Paragraphen 175, besonders in jungen Jahren, als noch Schwule per Strafgesetz kriminalisiert wurden und er sein Schwulsein nicht offen ausleben konnte. Der hat mich gehemmt und er hat mich eigentlich auch immer gezwungen, mich zurückzuhalten, so mich ganz so zu zeigen, wie ich eigentlich gerne bin und wie ich auch in Wirklichkeit bin, nicht? Das war schon in Kindheit und Jugend so, damals als er in Gröpelingen aufwuchs, als Sohn eines Schlachtermeisters. Bon. Et déjà, étant donné que c'était donc très que c'était très récent qu'on n'était plus mis en prison pour de tels crimes, c'est déjà étonnant que dans ces films il y a deux caractères homosexuels. Ma, freust du dich denn nicht? C'est-à-dire deux personnages en couple ou oui, deux personnages dans des scènes différentes? Deux personnages, oui, qui sont aussi en couple. Ils oui. sont amoureux, ils ont une relation romantique. Oui, c'est... Oui, au début, il semble qu'ils aient une relation romantique, oui. Mais est-ce qu'ils ont des sentiments que tu remarques parfois dans des couples, dans d'autres types de films? Comme est-ce que c'est un couple de comédie romantique ou plutôt un couple de films d'action ou tu vois? Ou un couple de films d'aventure avec comme la princesse et le chevalier et tu vois? Si c'est un espèce de couple, oui, c'est plutôt le dernier, oui, comme dans un film d'aventure. Il y a un homme qui est extrêmement fort, en fait, pratiquement une brute, qui est super masculine, super agressive. Marie de Lagage,
wird der eifersüchtig. Et ça sera plutôt un pirate qu'un chevalier, quoi. Ouais. Plutôt un pirate qu'un chevalier. Et une demoiselle en détresse? Ouais. Ou une amazone ou... Ouais, plutôt... Bah, eh bien, plutôt une... Ich habe gehört, man kann für dich arbeiten. Type femme dépendante qui attend celui qui la met. En fait, oui, qui est aussi opportuniste. Et passive. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a le contrôle quand même de la situation à travers une manipulation des sentiments ou ouais. Une manipulation de la sexualité peut-être, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de personnage subalterne et obéissant et ouais, domestique si... Ouais, plutôt subalterne, mais seulement parfois. Parfois quand même intrigante. Ouais, je vois. Du fickst wohl lieber die Brötchen in eurer Backstube, wie? Der kann doch nie tanzen. C'est pas un personnage très positif. Oui. En fait, ni l'un ni l'autre. Oui. Est-ce que ce sont les méchants du film, s'il y avait des méchants? Ouais, en fait, ce sont... Ouais, en fait, au moins, ce sont au départ. En fait, ce caractère que je mentionnais, cette brute, est évidemment le méchant. C'est l'ennemi de Franz Blum. Oh. C'est celui qui veut lui casser la figure. Ouais, je vois, c'est le... C'est le chef. C'est l'opposant principal, ouais. Physique du personnage. Ouais, ouais. Et l'autre, c'est simplement... Oui, un caractère ambigu, donc il n'est pas toujours clair à quel côté il est. Schön. Simplement, il s'adapte, qui est le plus fort même, dans le moment. Donc. Oui, c'est un parasite. Oui. Et est-ce que c'est présenté comme une situation normale de la vie en prison, ou est-ce que les autres font des commentaires sur l'étrangeté de la situation? Non, apparemment pour les autres prisonniers, c'est une situation normale. Il n'y a pas de discrimination homophobe particulièrement, ou transphobe? Non. Pour, par exemple, contraindre les personnages à avoir une attitude plus stéréotypée masculine, non? Bah, c'est-à-dire, il y en a un des deux qui est masculin pour deux, c'est ça? Non. Bah, en fait, le seul qui est exclu, c'est plutôt l'intello faible, qui est... D'accord. L'intello critique. L'intello est présenté comme plus faible que le personnage homosexuel efféminé. Oui. Ouais. Alors, donc, on était en train de s'écarter du sujet. On était parti des relations entre les personnages, je ne sais quoi, et la caractérisation des personnages. Est-ce qu'ils sont considérés comme homosexuels ou comme transgenres? Et est-ce que, objectivement, si c'était des personnes réelles, ils seraient homosexuels ou transgenres? Sachant que c'est très difficile à dire, puisque, comme on a vu, on peut difficilement dire si quelqu'un est transgenre ou pas, tant qu'on ne peut pas le lui demander. Oui. Dans ce film-là, c'était ambigu de toute façon. Oui. Est-ce que tu vois d'autres films comme ça, à vue de nez, ou est-ce que peut-être je peux t'en suggérer? Sinon... Si on reste au fin des années 60, début des années 70, il y a encore un autre film, Scène de chasse en Bavière, qui aussi était à l'époque était mon entrée au film à Cannes. Ouais. Un film très effrayant sur un jeune homme bavarien. Bavarois homosexuel qui est persécu par le village. Ouais. Et lui par contre il n'a pas du tout l'air homosexuel, il n'a pas, il a bon
C'est simplement un homme, tu vois, un homme cisgenre traditionnel, disons ça. Ta formule est amusante parce que, en gros, avoir l'air homosexuel, c'est ça être transgenre dans un film. Ouais, effectivement, oui. Quand on dit qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'il y a des homosexuels et des personnes transgenres et que ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que pour une personne transgenre, c'est seulement comme ça que les libéraux appellent une personne qui est homosexuelle extrêmement. Oui. C'est ça, et que dans un film, une personne peut être homosexuelle au sens où simplement c'est un mec qui aime les mecs ou une fille qui aime les filles, et ça peut se voir ou non, et là c'est ce que nous on appelle une personne transgenre. Parce que si ça se voit chez un mec, dans un film ça va être des trucs extrêmes, des ficelles grossières comme s'habiller en femme et parler avec une intonation extrêmement efféminée, avoir des réactions qui sont typiquement féminines. Ça, après, il y a des personnes transgenres traditionnelles et d'autres qui ne sont pas traditionnelles. Tu vois. Ouais. Ça savait déjà que en fait c'était irresponsable de prohiber. Par exemple, beaucoup de chantage était possible contre ce sujet. Oui, c'était surtout pour les applications en dehors de la sphère privée. Oui, surtout pour ça. Donc, c'était plutôt une gêne pour la société qu'un avantage. Oui. Donc, le concept, c'est que je te donne des informations sur un personnage. Oui. C'est un personnage historique qui a vraiment existé. Selon combien loin il est dans l'histoire, on ne sait pas trop s'il était transgenre ou pas. Et tu vas me dire si, juste avec les éléments que tu as, toi tu dirais qu'il est transgenre ou cisgenre. La personne en question est née de toute façon avec un sexe ambigu, sachant qu'il y a un registre paroissial et ça a été barré. C'est-à-dire que le prêtre avait noté d'un sexe puis finalement de l'autre, et puis on lui a donné des prénoms qui étaient, comme ça se faisait de toute façon à l'époque en France, puisque ça se passe en France, à la fois des prénoms masculins et féminins, tu vois, 4 ou 5, comme des prénoms composés avec les prénoms des oncles et des tantes et des parrains et des marraines. Elle a été élevée sous le sexe masculin, socialement. On pense que anatomiquement c'était pas aussi clair, mais que de toute façon, à l'époque, la question se posait pas vraiment en ces termes. Donc, cette personne grandit en tant que garçon, et ensuite va à la cour. Comme il y avait à ce moment-là des tas d'occasions de se travestir, des bals et des trucs comme ça, tu vois, des fêtes et, où on pouvait se déguiser, et bien c'est à ce moment qu'elle commence à adopter un habit plutôt féminin. On n'a pas de certitude, mais on lui prête des aventures avec le roi de l'époque, mais sous cet habit féminin. Bon, c'était plus ou moins un poste de secrétariat et on l'attache à une ambassade. Et lors de cette ambassade, elle se déguise à nouveau et elle se trouve en contact avec une reine. Avec qui elle aurait aussi eu une aventure. Qu'est-ce que c'est que ce sourire? Est-ce que tu aurais déjà des éléments? Je soupçonne que c'est le chevalier Déon. C'est le chevalier Déon, naturellement. Voilà. Bon, tu connais la suite? Non. There's no one way or one right way to do a transition. Not every trans woman or man wants to have surgery. Everybody doesn't fit into the neat boxes of male and female and woman and man. Many gender non-conforming people don't experience themselves as having been born into the wrong body.